non seulement les extraterrestres vous butent en un coup, mais maintenant en plus vous avez un tout nouvel ennemi! La caméra! La totalité du niveau se fait en scrolling, mais c'est pas le gentil scrolling à papa qui bouge de gauche à droite, hein. Non, c'est le scrolling de gros bâtard, géré par Jean-Louis le Forain, qui te fait des grosses feintes de ses morts. Genre, tu avances, tu crois que c'est par là, et... c'est parti, attention, on repart en arrière! Allez les filles et les garçons, c'est parti sur la gauche! Et on reste pas coincé! Non, je vous ai fait peur, hein, c'est de l'autre côté! À gauche, à droite, on vous a fait peur! Allez, on est parti, ambiance! Et c'était de l'autre côté! Allez! Tchika, on est tombé dans le piège! Allez, c'est parti, je fais n'importe quoi! Oui, on voulait vraiment que les joueurs connaissent le désespoir parce que moi-même, je suis très malheureux. Ces images sont issues de 4 niveaux différents. C'est la merde! Mais pas de panique, je suis sûr qu'il y a une très bonne explication de la part des développeurs. Ok, très bien. Et comme pour beaucoup de jeux de l'époque, il faut une clé CD pour y jouer. Sauf que visiblement, Mindscape aurait oublié de mettre les clés CD dans les boîtes du jeu. Eh, c'est ironique qu'ils aient oublié la clé dans un jeu Fort Boyard. Comment t'as fait ça? Voilà, maintenant donc vous arrivez au niveau 2 qui est rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Qu'est-ce que c'est que ce bruit de fouet du tiers-monde? On dirait même pas un effet sonore, on dirait... Elle est bonne! Mais attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur? Bon sang! Le traître, c'était... Eh oui, c'était moi! Maintenant, tu vas me remettre le microfilm, bien gentiment. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir accepter ce microfilm avec tous mes remerciements. Moins gentiment. Tu crois que tu as gagné, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pas vraiment moi. Ah oui? Mais tu n'es pas le seul. Bien joué. Mais ça ne change absolument rien. Si, maintenant tu n'as plus ton arme. Oh merde! Ce que vous voyez là représente l'intégralité du jeu. Rayon électroménager. Denis! Ah! Putain! Et voilà votre jeu! Je vous donne un petit sac avec? Non, ça va. Je vous rajoute un petit doigt dans le cul, peut-être? Ils ont changé le moteur graphique, non? Ah, finalement, je vais prendre un doigt dans le cul. Ah ben voilà! Mais bon, heureusement, les développeurs du jeu ont trouvé la solution pour pallier au graphisme passable. Vous savez, les graphismes, ils sont pas moches, hein, si on peut pas les voir. Ce qui nous donne des niveaux entiers du jeu comme ça. Voilà, effectivement, c'est vrai. C'est pas moche. Il y a un truc vraiment étrange avec le rythme dans ce film. Il y a des scènes qui durent terriblement longtemps sans aucune raison. Tenez, sur la deuxième moitié, il y a une scène où les gentils partent en hélicoptère pour rechercher le méchant qui s'est enfui avec sa bombe dans un camion. Et pendant cette scène de recherche, entre guillemets, plus aucun personnage ne parle. Il se passe plus rien. Allô ? Et ça dure 6 minutes. Vous croyez qu'il y a les commentaires du réalisateur là-dessus ? Alors, c'est parti pour le plan d'hélicoptère. Voilà. Donc là, on survole... C'était où, ça ? Je sais plus. Là, c'est l'autoroute. On s'est dit... là, en fait, on déplaçait l'équipe. On s'est dit, au lieu de se faire chier, on va filmer. On va faire des images, ça fera du grand. Ça remplira ce film de merde. Un plan de camion. On l'a glissé au milieu, on s'est dit que... Ça peut meubler. Le truc, c'est que les icônes, on l'avait loué, ça a coûté un bras, donc on s'est dit, on filme toute la journée, tout le temps, et on met dans le film, tant pis. Ouais, il faut faire 1h20, je te l'ai rempli. Voilà, survol de la flotte. Je me suis fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit. Mais au moins, ça reste de l'hélicoptère, hein, faut pas se mentir. On se fait chier toujours. Mais... Ça tombe toujours ?
Dans le film de 2011, un espion nazi s'était introduit dans le labo pour tuer le professeur Vasily et mettre un terme au programme américain de super soldats. Mes félicitations. Heil Hitler ! Non, pardon, je devrais pas rire, c'est horrible. C'est juste qu'on dirait la version Nazgul du truc où tu fais semblant de serrer la main à quelqu'un et puis paf, tu te recoiffes. Mais la maniabilité est scandaleuse! Votre personnage se dirige comme un putain de bateau! Vrai que c'est difficile à jouer! Combien a coûté ce 46,72€. Et putain! Dans le film, il détruit des bagnoles plus vite que Twitter détruit le cerveau des gens, et là je mets des coups de babouche qui font plus mal que mes armes alliées d'ultra secrète! Ou alors tes balles font les bons dégâts, et c'est ton coup de pied qui fait super mal. Quoi? Retrouvez dès aujourd'hui le générique de la série culte Les Aventures du Guerrier du Salami, chanté par Bernard Minou, disponible en 33 tours. Guerrier du Salami, tu bats tes ennemis, tu n'as jamais peur, tu seras toujours vainqueur. Guerrier du Salami, héros de la charcuterie. C'est quoi ces factures? C'est quoi? On peut plus continuer comme ça, David. Moi, je peux plus. Je crois que là, on a un problème. Il faut qu'on parle. Ok. Bonjour, monsieur Goudenoug. C'est les huissiers. On est venu prendre vos meubles. D'accord, très bien. On peut entrer? David, nom de Dieu! C'est quoi ce projet que tu m'as rendu? Je sais bien que c'est compliqué pour toi en ce moment, mais tu vois bien que ton jeu, c'est de la merde! Oh, ça va, c'est pas si mal! C'est pas si mal, mais David! Mais si, des fois, c'est mal! Des fois, la vie, ça fait mal! Mais c'est bien que ça fasse mal, David, c'est bien! Il faut avoir mal, des fois, c'est bien, tu comprends? Mais David, je suis obligé de te virer! T'as fait de nous la risée de toute l'industrie. Parfois les choses vont mal, t'as le droit de chialer, de crier, putain. Non mais attendez David, je suis pas sûr que vous ayez compris, vous êtes ruiné. Très bien, eh ben, passez une bonne journée. J'en peux plus de toi. David, notre fille est morte, accepte-le. Hé, hey, David, je t'avais dit que je te retrouverais, espèce d'enculé de ta race. David, il faut que tu changes. Le suspect est maîtrisé. Les agents procèdent maintenant à l'interpellation. Tu fais quoi, là? Mais si... Tu me racontes pas des cracks, là? Mais je... Tu me racontes pas des cracks? Bon, ben là, visiblement, là, elle est en train de raconter des cracks, hein. Mais, on a l'habitude, hein. À force, c'est le métier, hein. Allez. Très bien, madame. Je vais vous demander de souffler dans le ballon. Oui, bon, ben, le test du ballon, hein, c'est un test infaillible qui marche presque toujours, hein. Ouais, plus souvent qu'à l'accoutumée, hein. Madame, faut pas traîner comme ça le soir, hein? Chacun voit midi à 14h en ce moment, hein? Alors, prenez votre sac, vous me faites plaisir de... Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, ça? On a quoi? Qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais, c'est une quoi disquette d'information digitale. Une possession hautement illégale de catégorie 3. Nous allons utiliser le NDC. Donc c'est un appareil qui permet d'effacer la mémoire et de révéler le visage d'un éventuel extraterrestre. L'équipe peut maintenant ramener la créature au commissariat. Tu vois que tu me racontais des cracks, là? Tu me racontais des cracks? Alors ça suffit, hein, parce que je suis pas né du dernier orage, hein. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Je t'embarque dans le panier à fruits. Allez. Me touchez pas, Bodysorlux. Ouais, quand je te pose une question, tu me réponds, hein. Quand je te pose une question, tu me coupes pas la parole déjà, hein. Y a la barrière du respect, là. En réduisant votre misérable planète à l'état de poussière. Donc, l'individu susnommé Seigneur Suprême souhaite s'accaparer. S'accaparer, ça prend un cas ou deux? C'est bon. Passez-moi le président Sud. Oui, je vous passe de suite. C'est moi le président de la République. J'aime bien l'argent. J'aime bien le fric, les manifestants.
je leur envoie les flics. C'est vraiment trop marrant d'être le président. Allô? Allô? Ah pétard, il a pas eu aimé la chanson. Allez, on reprend les autres. La 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 la.